Ça m'a coûté une fortune. Voilà, il faut se mettre cher. Et ma robe, c'est Victoria's Secret. D'accord? Voilà, ma robe que tu vois, Victoria, dans la boutique. Oh, ah. Toi, tu as quoi? Tes marques, c'est quoi? Hé! HLM, prends-moi, oh! HLM, viens me livrer. Il y a encore l'autre là, on appelle comment même? Aïcha Express. C'est Aïcha Express. Il y a encore l'autre là, on appelle ça que quoi là? Prends-moi, oh! Mets-moi un peu les petites jupes là, avec les petits t-shirts là. Amène-moi ça ici. Je vais venir écouter. Viens, oh! Tu veux parler à Annabelle? Moi? Tu veux parler à moi? Quelqu'un qui a une Dodge? Qui a loué avec des Mercedes? Toi, tu as porté quoi? Tu as quoi, toi? Tu connais comment on paye une voiture? Tu connais comment on paye le house? Tu connais comment on paye la lumière? Ce que tu loues là-bas, tu ne payes pas tout là-bas inclus. Tu as les papiers? Tu as les papiers, même si tu as les papiers, même si tu as le kaolo. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi, même? Va un peu au Cameroun. Regarde la fille en train de devenir folle. La laideur jusqu'à. On dirait Mami Wata. Hein? Laideur jusqu'à l'os. Vas-y, donc quand tu nous regardes, tu regardes ma face, tu regardes pour toi. Je suis pas une grosse tête comme toi, chérie. Regarde bien ma tête. Ça prend toutes les perruques, ça prend toutes les tresses. Et ça prend tous les bangalas. Ah ouais, c'est moi qui encaisse parfois. Et je donne aussi. Faut toujours servir, faut toujours donner, faut toujours partager de temps en temps. C'est comme ça. La vie, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. You give me, I give you. C'est comme ça. Le sang à l'œil jusqu'à. Jusqu'à. Le sang à l'œil. Tu viens mal, je te classe bien. Je te mets sur la droite, la droiture. Une petite villageoise de Solange qui est sortie au fin fond de Ngormapoubi là-bas. À part tes injures, là, tu as encore quoi? Tu fais même ça mal même. Là maintenant, ce que toi tu fais, tu es en train de saboter le Bassa. Tu es en train de saboter le Bassa. Et quand je vois vos bêtises là, les bas Raoul, les bas gauche à droite là, qui vient là, on vient aussi, on vient commencer à te regarder tes bêtises là. Tu es en train de détruire. Tu détruis, tu ne fais pas ça bien. C'est le pourquoi on dit que non, quand vous voulez imiter quelqu'un, imitez la personne pour l'élever et non pas pour la rabaisser. Tu parles de toute une coutume. Après, on va dire que non, les Bassas comme ça, là, aiment m'insulter, alors que les Bassas m'insultent pas comme ça. Jamais. Jamais. Mais après, maintenant, on va commencer à dire que non, c'est comme ça que non, que les Bassas sont. J'ai amené mon modèle ici en Bassa, mais ce n'était pas dans les injures, chérie. Qui a amené une Soulou? Qui a dit va laver le cul? Qui a amené ho-ho-ha? Qui a amené Nyama-Nyama-Nyama-Nyama-Nsulunkulunku? Qui a amené tous ces mots-là? Les mots à droite, les mots à gauche là. Qui a amené ça ici? On te connaissait toi. Tu existais. Tu connais danser. On dit que tu es danseuse. Quand tu as terminé de prendre ton banga là-bas, tu as terminé de fumer. Tu montes là-bas, tu portes les vieilles talons de Pamela Anderson à l'époque de 1974, tu montes ça avec tes vieilles collants, avec une colonne vertébrale qui est cassée. Tu ne te regardes pas dans la glace, chérie, avant de venir te placer devant les yeux des gens ou quoi? Prends un peu la glace, mire-toi un peu. Essaie un peu de contempler ta laideur au fin fond d'un miroir. Tu n'as pas eu le temps de ça? Hein? Faut toujours t'asseoir. Que avant de parler de l'autre, regarde d'abord, nettoie d'abord ta maison, regarde-toi d'abord, avant de parler de l'autre, de ton voisin. Regarde-toi d'abord. Tu ne te regardes pas, tu viens t'asseoir sur la toile, sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers TikTok, tu commences à parler de moi. Je te dois quelque chose. Je te dévèle autrefois ma bite, mon bangala, mais j'avais dit que je ne te le donne pas. C'est ça que tu disais avant. C'est ça que toi tu avais proposé. Tu avais proposé que, bon, dans ce cas, parce que moi j'avais refusé que toi là, tu peux pas mettre tout ma. Neva, 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 neva. Dans un autre monde, quand on va se régénérer, selon ce que les gens ont dit. Mais c'est pas ce que moi, ma Bible dit. Voilà, je vais aller au paradis pour avoir la vie éternelle. C'est comme ça.
Donc, ma chérie, quand j'ai refusé, je t'ai dit, ok, tu es resté calme. Après, je t'ai proposé que dans ce cas-là, tu me niores ça là, je te niore pilique. C'est comme ça. Tu me niores ça là, je te niore pilique. Donc, nous deux là, c'est comme ça que ça va se passer. Mais que moi, je vais plus jouer l'homme. Je serai actif. Je serai ton actif, maman. Oui, ton top. Je serai ton top, moi. Oui, je suis top. Et puis quoi? Il y a quoi? Je suis top. Oh, c'est comme ça. Oui. Après, tu as dit, ok, d'accord. Je vais quand même garder l'espoir. Je t'ai envoyé tout le matériel, ce qu'il fallait t'envoyer depuis. Tu as vu, tu as watch. Comme la télé. Je t'ai perdu la tête. C'est le pourquoi tu m'en veux. You hate me. C'est ça. Tu me détestes à mort. Tu n'aimes pas me voir. Tu n'aimes pas me ressentir. La douleur du Bangala, quand on t'a refusé le Bangala, quand tu vois le Bangala s'éloigner, et quand tu vois le Bangala qui danse à travers les écrans partout, 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 quand tu penses que non, que tu as un autre Bangala qui est là-bas, qui peut descendre en Europe à n'importe quel moment, tu sais que je suis Kaolie, maman. C'est là posé, là, bien frais. Pas dans le congélateur, le frigo, parce que je veux des fruits encore bien fraîches et non pas calcinés. À mettre des poissons de depuis 2 semaines, les viandes de depuis 1 mois qu'on avait renvoyées du Cameroun, les vieilles poissons qui ont marché des ponts, qui ont traversé les avions, qui ont traversé les soutes avant de venir débarquer en Europe et après on se met encore à manger. C'est ça que tu appelles que tu es une dame? C'est ça, ma chérie. Il te faut encore du chemin à faire, ma puce. J'aimerais te dire que non, on n'attaque pas une reine. C'est comme attaquer tout un village. Et quand tu attaques une seule personne du village, c'est comme si tu as attaqué tout le pays, toute la nation. Donc, ma chérie, si tu veux que je puisse te décrire, parce que tu as dit dans tes... que non, si tu veux que tu me clashes, il faut que je te paye. Nanana, non, 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 chérie. C'est moi qui te donne le clash, c'est pas toi qui me le donne. Tu fais l'inverse, là, mon amour. C'est le cœur qui t'embrouille parfois. Je comprends. Je comprends ta vie. Ta vie n'est pas tellement facile. Ta vie n'est pas tellement quelque chose que l'on peut vraiment en dire. Tu vois? Donc, tellement ta vie est tellement compliquée pour que tu te compliques encore d'autres choses à venir parler des reines, à venir parler des gens, à venir parler des autres qui ne sont même pas de la chose que tu es. Tu vois? Voilà. Quand tu sauras bien venir te placer comme ça, être belle, bien t'exprimer, parce que tu ne t'exprimes pas bien. Ta voix, en fait, quand on écoute ta voix, c'est juste pour s'amuser, blaguer quand on veut rire, quoi. Mais ta voix n'est pas là que non, quand tu es assis là, toi, tu ne peux pas donner les conseils à quelqu'un, parce que toi-même, ta vie est tordue. Voilà, faut déjà être exemplaire pour donner des conseils aux autres. Ta vie n'est pas exemplaire, ce n'est que du pipeau. On fait seulement juste l'animation et tout, mais tu peux rien apporter aux gens. Moi, j'ai donné des gens des prophéties et des choses qui se sont réalisées, des choses qui se sont faites. Ils n'ont pas besoin de venir me voir parce que moi, je sais que non, l'esprit de Dieu, Dieu ne ment pas. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Donc, ma chérie, tu m'as vu. Voilà. Maintenant, je vais changer ma tenue. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Mais après, là, change ma tenue. La tenue que je vais mettre là, c'est une tenue de bombe. Voilà. C'est mon danser de ça. Comme ça. On va casser le coin, casse les papous. Voilà. Donc, toi, Soulange, Soulange, voilà, c'est bon et bon. Ça, c'est ton nom de garçon que tu utilisais. Ça t'énervait souvent. Mais quand toi aussi, tu prends les photos des gens, tu insultes que ma mère, elle l'aide, elle est ceci, cela, tu ne la connaissais même pas. Tu es folle. Voilà. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Voilà. Donc, tu peux insulter ma mère, tu peux faire n'importe.